Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. J'ai beaucoup de travail depuis ce matin. Alors en fait, je voulais vous proposer un autre exercice concernant l'estime de soi afin de stimuler votre estime de vous-même. N'oubliez pas, plus on a une bonne estime de soi-même, plus on a confiance en soi et plus on arrive à s'affirmer. Alors cet exercice, en fait, si vous avez déjà de quoi noter, vous allez faire un petit tableau. On va dire avec trois colonnes. Et en fait, l'exercice, ça sera en lien avec le respect. Alors, je vais parler doucement. La première question que je vous demande, que vous allez travailler dessus, c'est est-ce que vous vous respectez? Si c'est oui, c'est tant mieux. Si c'est non, alors je vous laisse remplir oui ou non. Et si c'est non, essayez de lister pourquoi vous ne vous respectez pas. Ensuite, la deuxième question concernant le respect. Est-ce que vous avez remarqué que peut-être vous avez tendance à plus respecter les autres que vous-même? Si c'est oui, pareil, pourquoi? Pourquoi vous respectez plus votre environnement que vous-même? Si c'est non, impeccable. Ensuite, j'avais noté bonjour aux personnes qui se sont connectées, qui écoute le direct hein, sur l'estime de soi, un petit exercice sur le respect. Et ensuite, c'est une autre question concernant le respect. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous respecter plus? Et ensuite, j'avais noté, est-ce que par exemple, vous avez remarqué que il y a un domaine en particulier où vous respectez moins? Par exemple, cela peut être en amour, en amitié, dans la famille. Donc, essayez de lister justement les domaines où ça serait bien de vous respecter plus. Et par exemple, si vous marquez en amour, en dessous, vous listez pourquoi, dans quel domaine au niveau de l'amour, vous avez besoin de vous respecter plus. Et si en amitié, c'est pareil. Hein. Dans la famille, pourquoi? Essayez en fait de lister petit à petit tous les éléments dans les différentes sphères environnementales où vous avez besoin de plus vous respecter, pour savoir justement, en fait, cet exercice, c'est vraiment pour vous aider à faire ce travail sur vous-même, pour apprendre à plus vous respecter. Et c'est important, y a qu'en faisant des exercices qu'on arrive vraiment à se connaître plus et savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne se respecte pas ou pas assez. Bonjour à toutes les personnes, je vois plein de petits coucous. Je vous réponds. Voilà pour l'exercice sur l'estime de soi en lien avec le respect. N'hésitez pas à partager autour de vous pour les personnes susceptibles d'être intéressées. N'oubliez pas que si besoin aussi, il y a ce travail-là aussi, vous pouvez faire avec mon livre Stop à la soumission. Je m'affirme et je dis non. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!